Voilà, bonjour. Donc, dans cette partie-ci du cours, on va voir comment on peut faire pour écrire les équations d'équilibre pour une structure. Bon, c'est quelque chose qu'on connaît déjà au premier ordre, puisqu'on a vu ça dans le cadre d'un cours d'analyse des structures 1. Et on va voir ici comment on peut faire pour se débrouiller avec des termes de second ordre. Donc, une chose qui reste valable dans tous les cas, ce sont les équations d'équilibre locales. Celles-là, on les connaît. Elles sont à l'origine des principes de base du fonctionnement des poutres. Et on utilise ces équations d'équilibre dans différentes configurations. Notamment, par exemple, si on combine à ça le fait que les sections droites restent droites, on peut avoir une relation constitutive qui va relier le moment et la courbure. Et ça va nous permettre donc d'écrire une équation qui est une équation différentielle où la seule inconnue est une inconnue cinématique qui est le déplacement transversal de la poutre. Okay, celui-là, je ne vais pas le discuter davantage. Il y a juste une chose qui est différente par rapport à ce qu'on connaît. C'est que si on prend en compte le fait que l'effort axial et l'effort tranchant se réorientent avec un petit angle θ plus dθ à droite de la section coupée par rapport à θ à gauche de la section coupée, on est capable de modéliser des effets de second ordre. Donc ça, on l'a déjà discuté à l'aide d'un exemple, je ne vais plus en parler. La deuxième méthode pour calculer les équations, établir les équations d'équilibre, c'est la méthode qui se base sur l'équilibre global. Donc la méthode sur l'équilibre global, si je reprends l'exemple donc de la colonne de l'air, nous dirait simplement ceci. On sait qu'au premier ordre, on va avoir quoi? On va avoir mais que simplement le moment dans la poutre est égal à 0. Si le moment est égal à 0, EI fois la dérivée seconde est égal à 0. Et donc on récupère uniquement le premier terme. Le deuxième terme qu'on voit apparaître dans cette équation, c'est un terme qui provient du fait que lorsque la structure se déforme, donc c'est un terme de second ordre, lorsque la structure se déforme, il va exister un moment additionnel dans la structure, comme on l'a vu au cours dernier. Voilà, et alors la troisième méthode pour y arriver, c'est une méthode énergétique. Elle est à l'origine de tous les théorèmes qu'on a vus dans le cours d'analyse des structures 1. Et essentiellement, cette méthode-là, elle nous dit que une configuration d'équilibre correspond à un minimum d'une énergie potentielle totale. Okay, donc, les trois méthodes, quand on les applique, fournissent exactement les mêmes résultats. Ce que je voulais donc vous expliquer, c'est que l'utilisation de la méthode d'équilibre global, pour commencer, elle fonctionne bien pour les structures simples. Pourquoi ? Parce que c'est une méthode d'équilibre global. Donc elle demande par exemple de d'abord calculer les réactions d'appui. Souvenez, dans ce cas-ci, on a d'abord calculé la réaction verticale ici, avant de faire une coupe pour calculer le moment additionnel. D'accord ? Donc les méthodes d'équilibre global fonctionnent bien quand on a des structures simples. Si on avait une structure beaucoup plus compliquée comme un portique, ça commence à devenir simple. Compliqué. Les méthodes qui se basent sur l'équilibre local sont des méthodes qui sont tout à fait génériques. Je dirais que celles-là, elles sont plus de l'ordre théorique. Pourquoi ? Parce qu'elles vont nous permettre, d'établir les équations constitutives, ou vraiment les équations comportementales de la poutre. Elles n'ont pas de portée d'application directe tant qu'on ne les combine pas avec des conditions limites. Puisqu'on se base sur une information locale, il faut imposer sur base de cette information locale après qu'une structure composée d'un ensemble de plein de poutres sont telles qu'il y a des compatibilités entre les déformations aux extrémités des poutres et il y a des conditions limites au niveau des appuis de la structure. Okay, alors que la dernière méthode, qui paradoxalement pourrait peut-être paraître plus compliquée puisqu'elle n'est pas basée directement sur des forces, qui sont maintenant des concepts qu'on connaît bien, et sur base d'équilibre directement, elle est basée plutôt sur des concepts énergétiques. Et donc paradoxalement, elle pourrait paraître un peu plus compliquée, mais par contre, vous allez voir qu'en fait c'est la méthode la plus simple. Et sur le plan théorique, sur le plan pratique, c'est la méthode en fait qu'on va utiliser le plus, parce qu'elle est la plus versatile. Elle permet d'étudier des structures complexes, en géométrie, je veux dire. Voilà. Donc c'est cette méthode-là qu'on va essayer de développer un maximum. Alors par exemple, dans le cadre de la poutre de l'air, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que l'énergie potentielle totale se compose d'une énergie potentielle de déformation interne et d'une énergie qui correspond au travail des forces extérieures. Alors l'énergie potentielle de déformation interne, c'est EI fois la courbure au carré sur 2. Ok, ça, je pense qu'on s'en souvient du cours de... On avait refait la démonstration, si c'est pas clair.
Il faut absolument retourner dans votre cours d'analyse des structures 1 ou dans un cours de résistance des matériaux pour vous rappeler que ça, c'est l'énergie de déformation interne dans une poutre en flexion, une poutre de Bernoulli. Et alors, on va voir que comment exprimer donc l'effet du travail des forces extérieures. Ça va venir très bientôt. Alors donc, bon, ceci c'est un résumé, je ne vais pas repasser en détail comment faire pour écrire les équations d'équilibre avec la méthode globale. Elle n'a plus besoin d'être discutée. Généralement, on calcule d'abord les réactions, numéro 1. 2, on utilise les schémas rendus libres, free body diagrams, pour établir les équilibres entre les forces intérieures et les forces extérieures. 3, éventuellement, on peut utiliser des équations constitutives pour exprimer les efforts intérieurs à partir des termes cinématiques, notamment ceci, M est égal à moins EI fois V seconde. Et finalement, on arrive à établir les équations qui gouvernent le problème qui nous intéresse en combinant tout ça. Voilà. Équilibre local, on a fait l'exercice en détail lors du premier cours aussi, donc je ne vais pas revenir sur ce détail-là. Donc on écrit l'équation d'un petit tronçon de taille dx, donc c'est un tronçon infinitésimal. Soit on suppose que dθ est égal à 0, vous voyez ici l'orientation de l'effort axial, il est le même des deux côtés du petit tronçon qu'on a coupé. Soit l'orientation de l'effort axial peut varier. En supposant que l'orientation de l'effort axial peut varier légèrement, tout simplement pourquoi ? Pas parce que l'effort axial varie, mais parce que je voudrais peut-être dessiner ce tronçon dx. Je voudrais peut-être le dessiner comme étant un tronçon de longueur dx au niveau de son axe neutre. Et donc il peut y avoir éventuellement une petite réorientation des sections droites à cause de la courbure qu'on a envie de considérer. C'est un terme de second ordre. Ça va nous permettre de faire apparaître des effets de second ordre. Je me rends compte que dans l'équilibre qui est considéré ici, évidemment, on n'a pas mis, c'est un peu moins général que ce qu'on a fait au premier cours, puisqu'on a mis P égale à 0 et mu, les effets d'inertie, égaux à 0. Donc pas de charge transversale et pas d'effet d'inertie. Sinon, ça complexifie un tout petit peu ces équations-là. Alors, il y a deux formulations qui sont des formulations différentes dans les formulations au second ordre. Il y a la formulation qui s'appelle la formulation en grande rotation et la formulation en grand déplacement. Alors, l'équilibre local est incapable de faire la différence entre les deux. La différence entre les deux, elle est simplement faite quand on va obtenir donc un équilibre au second ordre quand on utilise les équations ici à droite. Donc le fait d'ajouter cette petite rotation dθ entre les deux faces extérieures de la tranche qu'on est en train de regarder va permettre en réalité de faire en sorte d'écrire des équations d'équilibre globales dans une configuration déformée. Ça revient au même. Ensuite, on n'a que des équations constitutives ici. On n'a que des équations d'équilibre locales. On doit les combiner à des équations constitutives ou à des équations cinématiques de manière à pouvoir déterminer une équation qui sera l'équation qui gouverne le problème. Par exemple, je vous ai dit au premier ordre, qu'est-ce qu'on écrit habituellement ? On écrit M est égal à moins EI fois V seconde. Bien, en fait, le moment, c'est EI fois la courbure. D'accord ? Donc je devrais normalement, en toute rigueur, écrire EI fois la courbure. Il y a toujours ce signe moins qui vient de la convention qui est la définition de la fibre de référence par rapport au déplacement V positif qu'on a choisi. Alors, si on fait ça, si on suppose que les déplacements sont petits, mais la courbure est égale à V seconde, si on suppose que les déplacements sont petits, la courbure, on l'approxime par V seconde. Si par contre, maintenant, on suppose que les déplacements ne sont pas nécessairement petits, ou que les rotations ne sont pas nécessairement petites par rapport à l'axe initial de la poutre, et on va avoir une version qui est une version un peu plus compliquée, exposant 3 demi, exposant 2, donc V seconde divisé par 1 plus V prime au carré, exposant 3 demi. Et ça, c'est l'expression complète ou correcte de la courbure d'une poutre. Et donc, si on considère que la courbure s'exprime de cette manière-là, en combinant cette expression de la courbure
pour calculer le moment et les valeurs du moment qui proviennent des équations d'équilibre au second ordre ici, on obtient la version la plus compliquée, la plus complexe du formalisme d'équilibre des poutres. C'est ce qu'on appelle en anglais une tige, a rod, ou bien une tige de Coursera. Ok, nous on ne va pas vraiment en parler, ça fait l'objet d'un cours peut-être beaucoup plus détaillé. Ça aurait peut-être l'occasion d'en parler l'année prochaine dans un cours d'analyse 3. Donc nous, on va se limiter essentiellement à ce qui se passe au niveau de la prise en compte des effets du second ordre à l'aide de la méthode des grands déplacements. Et ça suffit largement pour calculer une valeur critique. On n'a pas besoin de mettre trop de non-linéarité. Les grandes rotations vont nous donner quelque chose qui est non-linéaire. On n'a pas besoin de mettre de la non-linéarité pour calculer des valeurs critiques. Ok, ça, je l'ai expliqué la semaine dernière. Ou dans la vidéo précédente. Bon alors, maintenant la méthode qui nous intéresse peut-être le plus, comme je le disais tout à l'heure, c'est la méthode qui se base sur des considérations énergétiques. Alors je vous rappelle que l'énergie potentielle totale, elle est obtenue comme une somme entre le potentiel dont dérivent les forces extérieures, qui est l'opposé du travail des forces extérieures, c'est V, et U, c'est l'énergie de déformation interne. Donc on peut parler d'un travail qui est fait par les forces internes. Le vecteur U représente les variables cinématiques. Par exemple, φ1, φ2, peut-être des rotations en deux endroits de la structure. Je le représente comme un vecteur. À partir du moment où je le représente comme un vecteur, ça veut dire que la structure a été discrétisée, et donc elle a un nombre fini de degrés de liberté, soit 1, soit 2, soit n. Si ça n'avait pas été le cas, mais j'aurais dit quelque chose de tout à fait alternatif, j'aurais dit h de petit u de x, et éventuellement p qui sont des paramètres, par définition c'est u plus v. Avec u, je l'ai écrit au complet, qui est en réalité u de, i, pardon, de petit u de x, ou petit u, ce serait le déplacement transversal de chacun des points d'une poutre. Alors, comment est-ce qu'on fait pour écrire? Et P, c'est quoi? C'est un ensemble qui contient tous les paramètres du problème. Par exemple, P est égal à lambda, le multiplicateur critique, ou bien tous les autres paramètres du problème. Alors, la configuration d'équilibre dans une structure, elle correspond au point stationnaire de l'énergie potentielle totale. Vous vous en souvenez? Quand on a, en fonction des différents paramètres du problème, admettons qu'on en ait un seul, U1, qu'on notera par exemple phi, dans le cas de l'exemple d'une structure à 1 degré de liberté, eh bien, si on se rend compte que h de U1 a cette forme-là, eh bien, la position d'équilibre, ou la configuration d'équilibre, c'est la configuration d'équilibre qui, dans ce cas-là, correspondra à U1 égale 0. Okay, si on avait une autre forme, c'est pas parce que c'est 0, si on avait une autre forme de l'énergie potentielle totale, eh bien, on trouverait ici la configuration d'équilibre. Alors, des configurations d'équilibre, il peut y en avoir plusieurs, vous vous souvenez, en fonction de l'énergie potentielle qu'on a, on va avoir, par exemple, si on avait H de U comme ceci, eh bien, on aurait plusieurs positions d'équilibre, ce sont toutes celles pour lesquelles la tangente est horizontale. Et si, au bout du compte, on avait un plateau comme ceci, là on aurait toute une succession ou un continuum de positions qui sont des positions d'équilibre. Alors, donc quand on dit qu'un équilibre correspond à un point stationnaire, c'est-à-dire que les dérivées de h par rapport à chacun des paramètres qui rentrent dans u, c'est-à-dire le vecteur qui caractérise la configuration déformée, la cinématique, est égal à 0. D'accord ? Donc quand on écrit une dérivée par rapport à un vecteur, comme ceci, vous voyez, j'ai fait la dérivée d'un champ scalaire par rapport à un vecteur u, ça veut dire que je fais la dérivée de h par rapport à chacune des entrées à l'intérieur du vecteur u. Alors, exemple, montrer que la dérivée de h est égale à 0 donne les mêmes équations d'équilibre pour la structure à 1 degré de liberté et à 2 degrés de liberté. On n'a pas encore vu la structure à 2 degrés de liberté, donc on va le voir dans un instant. Donc on est en train d'établir simplement les équations d'équilibre. Allez, je vais le faire avec vous pour la structure à 1 degré de liberté. Juste un petit détail entre les deux.
Je vous rappelle comment calculer l'énergie de déformation interne. Je vais calculer l'énergie de déformation interne dans une poutre, c'est EI fois la courbure au carré, ça on le sait bien, divisé par 2. Dans une barre de treillis, c'est E1 fois la déformation au carré, divisé par 2. Si la déformation est constante le long de la barre, ce qui est le cas dans une barre de treillis, cette intégrale, on peut la faire une fois pour toutes. Et on va récupérer simplement ceci, puisque la déformation de la barre, elle est constante. Ce sont des choses sur lesquelles on a déjà eu l'occasion de travailler dans le cours d'analyse des structures 1. Elle est constante, peut sortir de l'intégrale. Le E1 est constant, peut sortir de l'intégrale. Et l'élongation, epsilon, est égale à U', donc la dérivée du déplacement axial. C'est la variation de longueur sur la longueur de la barre. D'accord ? Donc si on remplace epsilon par delta sur L, évidemment cette intégrale-là, elle vaut 1/2 fois E1 fois le epsilon au carré, donc delta carré sur L carré, fois l'intégrale de 0 à L dx, c'est-à-dire L, et en simplifiant, on arrive bel et bien à l'expression qui se trouve là-bas. Ok, je peux les détailler tous, mais ce sont des expressions que vous connaissez. En tout cas, les premières. Pour un ressort en translation, l'énergie de déformation qui est stockée, c'est 1/2 k delta carré. C'est exactement la même chose que la précédente. Vous savez bien que un ressort ou une barre de treillis sont deux objets mécaniques qui sont tout à fait équivalents. Quand on a une barre de treillis avec une raideur axiale E1 et une longueur L, en fait, on peut voir ça exactement comme un objet mécanique qui est un ressort avec une raideur K. Et l'équivalent se fait en disant que K est égal à E1 sur L en newton par mètre. E1 des newton, et L des mètres, donc ça nous fait bien des newton par mètre. On a la même chose pour les ressorts en rotation. Donc quand on a un ressort en rotation, je vous ai expliqué la semaine dernière que c'était le même type de comportement que le ressort en translation. Donc si on soumet un moment de flexion M et que sa raideur est égale à K, il va y avoir une rotation ici qui est une rotation relative entre les deux. Ok, donc ça va nous donner le delta phi, la variation de phi. M est égal à K fois delta phi. Ou θ. M, par définition, on va appeler θ, la rotation relative ici. Et donc l'énergie qui est stockée là-dedans, c'est 1/2 K, θ carré. Alors, on a un travail qui est un peu plus compliqué à étudier, c'est celui des forces extérieures. Alors ça, on peut peut-être regarder. Ceci, c'est valable pour une poutre, hein, notez-le bien. Ça, c'est valable pour une poutre ou une colonne qui se déforme transversalement. Poutre, colonne, avec des déplacements transversaux à son axe. Je vais vous expliquer d'où vient cette formule. Nous, ce qui nous intéresse, on peut repartir d'une colonne. A priori, peu importe les conditions limites. Vous allez voir que je n'ai pas besoin de conditions limites. Donc, on pourrait repartir, pour fixer les idées, on pourrait repartir de la colonne de l'air. Et la question, c'est quel est le travail de la force qui est appliquée ? Ça, c'est une bonne question. En fait, si on négligeait le tout petit raccourcissement qui est ici, si on négligeait ce raccourcissement-là, on ferait lambda p fois 0, puisqu'on le néglige, donc le point ne se déplace pas. Okay, et c'est ce qu'on fait généralement quand on écrit l'équilibre d'une structure au premier ordre. On suppose que la corde, donc c'est-à-dire la longueur qui relie les appuis d'une poutre, elle est la même que la longueur de la poutre qui est complètement développée. Donc si on faisait ça, si on négligeait ce petit raccourcissement, eh bien on voit que l'effort lambda p ne contribuerait pas à l'équilibre énergétique. Et donc, ça voudrait simplement dire que si on voulait écrire l'équation d'équilibre de cette poutre en négligeant ce petit raccourcissement, on aurait uniquement le premier terme qui va contribuer
à l'énergie totale, l'énergie potentielle totale. Donc on aurait simplement quelque chose comme ceci. Ça. Et en fait, on se rend bien compte que si on a que ce terme-là, mais ça nous amène simplement à... Ça va nous amener simplement à une équation d'équilibre qui est EI fois la dérivée seconde égale 0. Donc le moment égal à 0, et en fait, on se rend compte qu'on n'a rien fait d'autre que d'écrire l'équation d'équilibre au premier ordre. D'accord ? Donc ce n'est pas ce qui nous intéresse. Si on a envie de prendre en compte le fait qu'il existe une charge de compression lambda P appliquée sur la structure, on est obligé de prendre en compte ce raccourcissement de la barre. Okay, donc c'est important de pouvoir calculer, ou exprimer en tout cas, le raccourcissement de la barre, compte tenu du fait que, sur une longueur de 0 à L, la structure se déplace avec un déplacement transversal qui vaut V de X. Et donc pour faire ça, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire, bon, ok, j'exagère de nouveau la représentation. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de calculer ce tout petit déplacement-là, sachant qu'en réalité, ici, on a un déplacement transversal V de X. Voilà, je vais le dessiner comme ça. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? Ben, je vais zoomer sur un élément là-bas. Alors, si je zoome sur un élément de la poutre, de longueur ds, avec ici un dx, disons là-bas un dy. Et oui, ce que je ne dis pas, c'est que on a un déplacement v de x ici. Donc ça, c'est v de x. Et alors là, par rapport à un point de référence, on a v de x plus dx. De manière à ce que la pente, ou dy sur dx, soit égal à v' de x, ou bien dv sur dx. Donc si vous voulez, dy correspond au petit dv. Et de toute façon, ceci correspond à ce qu'on connaît d'habitude, c'est que la pente de la poutre s'exprime par dy sur dx. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire aussi que ds, si on utilise le théorème de Pythagore, c'est la racine carrée de dx plus dy, je vais mettre le dx en évidence. Dx plus la racine carrée de 1 plus dy au carré sur dx carré, donc ça nous fait v' carré. Et alors, si on se souvient que la racine carrée de 1 plus epsilon, si on regarde le développement série de Taylor, c'est 1 plus epsilon demi plus des termes d'ordre epsilon carré. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ds serait égal à dx fois 1 plus 1 demi v' carré, plus des termes d'ordre inférieur. Okay, et ces termes-là, on les néglige ici. Okay, et donc, en fait, on voit que le ds est égal à dx plus quelque chose de petit. Et ce quelque chose de petit dépend de la pente. Alors maintenant, si je fais l'intégrale sur la longueur, complète de la poutre, ds, faire un dessin ici à côté, comme ça on comprendra bien ce que je suis en train de faire. Je voudrais simplement exprimer maintenant que si je fais une intégrale sur tout ceci, partie que je suis en train de reproduire en gras, c'est exactement comme faire une intégrale de 0, donc à cette longueur-là. Donc si on avait une longueur, donc là je vais appeler ce déplacement-là petit delta,
Là, on a la longueur de la poutre qui vaut L. Donc cette distance-là vaut L moins delta, parce que la distance initiale de la poutre qui allait de là à là était égale à L. Et cette longueur L, en fait, on la retrouve ici. Donc si je dis l'intégrale de 0 à L sur la longueur de la poutre, que je viens maintenant de schématiser par L, ds, c'est égal à L. Donc, je fais la somme des longueurs incrémentales qui composent la poutre, des longueurs ds. Alors si je veux faire un changement de variable et ne pas intégrer par rapport à s, mais par rapport à x, je peux dire aussi que c'est donc l'intégrale de 0 à L moins ce petit delta, de 1 plus 1 demi v prime au carré dx. Et ça, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner, je vais séparer l'intégrale en deux, ça va donc nous donner que L est égal à l'intégrale de 0 à L moins delta dx plus l'intégrale de 0 à L moins delta 1 demi v prime de x au carré dx. Ceci, c'est L moins delta. Alors, on va faire simplifier le L et le L, et on va faire passer le delta à gauche. Et donc, ça veut dire que le petit raccourcissement de la barre, delta, sera égal à 1 demi, l'intégrale de 0 à L moins delta, v prime carré de x, dx. Alors, ce qu'il y a, c'est que le delta, il est très petit par rapport à L. Donc, le raccourcissement de la barre, il est très petit par rapport à la barre. Pour quelle raison? Parce que nous, de nouveau, dans ce qui nous intéresse ici, c'est essentiellement l'instabilité au moment où elle apparaît, donc la détermination de la valeur critique. Et donc, à partir du moment où l'instabilité apparaît, le point, s'il a commencé à descendre, il n'est pas descendu beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de tout linéariser. Et donc, si delta est petit par rapport à L, dans la borne de l'intégrale qui se trouve ici, on peut remplacer L moins delta par L. Donc on peut négliger le delta. D'accord ? Et donc on se rend compte que quand on a une poutre qui se déforme transversalement, le raccourcissement de la poutre, on peut le calculer comme étant 1 demi fois l'intégrale de 0 à L de la pente au carré dx. Alors bon, voilà, cette équation, elle peut peut-être paraître un petit peu particulière parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des équations avec des carrés, des déformations. Ok, mais elle a quand même du sens malgré tout. Le fait que ça apparaisse au carré, nous dit que si la pente est positive ou négative, ça contribue de la même manière. Mais c'est logique. Vous voyez bien que sur la moitié inférieure ici, on a une pente négative, et là on a une pente positive. Mais les deux contribuent évidemment de la même manière exactement au raccourcissement de la barre. Ça va, donc je prends un autre exemple maintenant. Si on avait donc une poutre comme ceci, je n'ai pas utilisé les conditions limites, comme je vous ai dit. Donc si on avait une poutre ou une colonne encastrée libre avec une charge lambda p, évidemment, l'équation reste la même. Donc, si la forme d'instabilité qu'on imagine ressemble à ceci, avec un déplacement qui est un déplacement v de x, eh bien, le déplacement vertical de ce point-là, ce sera l'intégrale sur la hauteur totale de cette colonne du 1 demi v' de x au carré, de 0 à h, h étant la hauteur ici. Ok, je vous montre encore un autre exemple qui est peut-être un piège. Si je dessine ceci, alors là, les conditions d'appui commencent à avoir du sens. Si je dessine ceci avec une charge lambda p là-bas. Donc là, on a deux appuis simples en dessous et on a un appui à rouleau au-dessus. Mais qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici, puisqu'on a un appui simple au milieu, le point qui se trouve là-bas ne peut pas descendre, il est appuyé. Donc les seuls points qui peuvent éventuellement tasser vers le bas, au niveau des appuis, sont celui-là en fait, il n'y en a que un, c'est singulier. Le seul point qui peut tasser vers le bas, c'est là où on a l'appui à rouleau. Et donc le déplacement vertical de ce point-ci, au milieu, il est égal à 0. Et donc si on a une longueur L et une longueur L, eh bien, en fait, on doit faire l'intégrale uniquement sur la travée supérieure en disant que le déplacement vertical du point d'application de la charge est égal à l'intégrale de 0 à L, je vais mettre L1 et L2, comme ça on les distingue bien, de 1 demi v' au carré de x dx.
Ok, donc ça c'est important. Je peux encore vous montrer un ou deux autres exemples. Je sais que ce sont des choses qui ne sont pas spécialement évidentes. Si par exemple on avait eu un autre exemple comme ceci, je vais bloquer le degré de liberté inférieur. Je vais mettre un appui à rouleau ici. Je vais mettre un appui à rouleau là-bas. Ok, donc on a une travée de longueur L1, une travée de longueur L2. Je mets lambda P1 et je mets ici une force aussi qui vaut lambda P2. Alors là, comment est-ce qu'on fait pour calculer le travail des forces extérieures? On va regarder d'abord la force lambda P2. Donc lambda P2, elle est associée avec un déplacement que je vais appeler delta 2, qui correspond à quoi? Ben, lambda P2, si vous voulez regarder le diagramme d'effort axial dans la poutre, okay, c'est assez éducatif, disons. On va avoir un diagramme de compression comme ceci. Lambda P1 et ici lambda P1 plus lambda P2. Donc lambda P2 n'agit que sur la partie inférieure. Donc lambda P2 va travailler avec le déplacement delta 2. Lambda P1, lui, va travailler avec le déplacement delta 1. Alors comment est-ce qu'on peut faire maintenant pour calculer delta 2 et delta 1? Et si on suppose que on a une configuration déformée qui est comme ceci, mais on va jusqu'au point fixe le plus proche, et donc si on veut calculer delta 2, le déplacement vertical ici, et delta 1, le déplacement vertical là-bas, delta 2, lui, on sait qu'on a un point fixe tout en bas, c'est notre point de référence, à cause des déplacements transversaux de la première travée. Et le point qui est ici va descendre légèrement et uniquement à cause d'eux. Donc ça veut dire que delta 2, on va le calculer comme l'intégrale de 0 à L2 uniquement, donc la moitié de V' de x au carré dx. Par contre, delta 1, comment est-ce qu'on va faire pour le calculer? Bah, lui, delta 1, c'est le résumé de l'entièreté. Parce que donc delta 1 va déjà souffrir du fait qu'il y a un déplacement vertical au niveau de l'appui à rouleau au milieu. Et en plus de ça, va descendre à cause des déplacements transversaux sur la fraction supérieure. Donc delta 1 sera égal à delta 2 plus 1 demi fois l'intégrale de 0 à L1 V' carré de x dx. Ok, bon voilà, je présentais juste quelques exemples, on en verra encore d'autres, on en verra encore d'autres plus tard. Ceci, c'est valable pour calculer le travail des forces extérieures axiales. Donc celles qui mènent typiquement à la stabilité quand elles sont en compression. On a une version qui est une version alternative, je ne l'ai pas marquée dans les DIA, parce qu'elle est d'intérêt beaucoup, beaucoup, beaucoup moins important. C'est celui où on a une barre qui est une barre rectiligne, avec un EI égal à l'infini, et une barre qui peut se déplacer transversalement. Ok, je propose d'étudier ce cas-là comme un exercice. Et montrer qu'on est capable, comme on disait tout à l'heure, de réécrire les mêmes équations d'équilibre que celles qu'on avait obtenues pour le système à 1 degré de liberté. Et pour le système à 1 degré de liberté, qui était celui-ci, avec EI égal à l'infini, lambda P et K à la raideur. On peut remonter un tout petit peu en amont pour voir quelle était l'équation d'équilibre qu'on avait obtenue. Donc K phi moins lambda PL sinus phi. Ça, c'est ce qu'on avait obtenu. Je vais la noter ici. K phi moins lambda PL sinus phi. C'est ce qu'on avait obtenu par équilibre. On avait écrit un équilibre global. Et en écrivant l'équation d'équilibre global, c'est l'équation à laquelle on était arrivé. Et phi, c'est l'inclinaison de la barre. Voilà, on avait écrit l'équation d'équilibre en configuration déformée pour arriver à ça. Ah ben, ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est qu'on peut faire la même chose sur base énergétique. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a U, le travail des forces intérieures. Je vais revenir simplement sur la définition. Donc, U, le travail des forces intérieures, qu'est-ce qu'on a? La poutre ne se déforme pas. EI est égal à l'infini. Donc il n'y a pas d'énergie de déformation associée là-dedans. La seule composante de déformation dans la structure, c'est la déformation du ressort. Donc l'énergie de déformation intérieure, ça va nous donner 1 demi K phi carré.
puisque φ, c'est la rotation relative entre les deux extrémités du ressort. V, c'est moins le travail des forces extérieures, donc c'est le potentiel dont dérivent les forces extérieures. Attention qu'il y a un moins ici, vous n'oubliez pas, donc c'est moins le travail des forces extérieures. Alors les forces extérieures, elles descendent de combien? De nouveau, je vais peut-être exacerber un tout petit peu le dessin. Si on a la barre de longueur L, elle va tourner d'un angle φ. Elle continue d'avoir la longueur L. D'accord? Donc la projection sur la verticale, c'est L fois le cosinus de φ. Et donc la partie qui nous reste là au-dessus, c'est L moins L cos de φ. Ok, donc ça nous reste L fois 1 moins le cosinus de φ. Ça, c'est cette longueur-là. C'est le déplacement vertical. Donc le travail de la force appliquée, c'est lambda P fois L fois 1 moins le cosinus de φ, que je change de signe. H est égal à la somme des deux. Lambda P L, 1 moins cos φ. Alors maintenant, si je veux écrire l'équation d'équilibre, l'équation qui va nous permettre de déterminer les configurations d'équilibre, je dois dériver h par rapport à phi. C'est une dérivée droite en réalité ici, parce qu'il n'y a qu'une seule variable. Donc le premier terme va nous donner le 2 et le 1/2 se simplifient, il reste k fois phi. Le second terme, on a lambda pl fois 1, il disparaît. Donc il va rester plus lambda pl cos phi à dériver, donc ça nous fait moins lambda pl sinus phi. Et ça, on doit dire que c'est égal à 0 parce qu'on a envie de calculer les configurations d'équilibre. Et vous voyez qu'on a exactement la même équation que l'équation qu'on avait obtenue par équilibre global. Okay, donc ça, c'est juste une manière de vous démontrer qu'en considération énergétique, on peut récupérer les mêmes équations d'équilibre que les équations d'équilibre qu'on a obtenues par une autre méthode. On pourrait faire la même chose avec la poutre de Bernoulli. Donc là, je viens de vous le démontrer pour un système à 1 DDL. Je vais vous le montrer pour le système avec une infinité de degrés de liberté, ou bien, si vous voulez, dans la version continue. Alors, dans la version continue, l'exemple qu'on avait regardé, c'était donc celui-là, lambda P ici, EI et L. Alors, je vais remonter pour vous montrer les équations qu'on avait obtenues. Voilà. Ici, l'équation constitutive, c'était EI dérivée seconde plus lambda P égale à 0, avec les deux conditions limites. Okay, je vais copier recopier l'équation. Ça, c'est ce qu'on avait obtenu par un équilibre global. Avec évidemment ces deux conditions limites, mais les conditions limites, on les connaît. Alors s'il fallait maintenant passer sur base d'une considération énergétique, H est égal à U plus V. Combien vaut U? 1/2 fois l'intégrale de 0 à L de EI V seconde au carré dx. Ok, je regarde où on l'a. Elle est ici en dessous. Okay, j'ai simplement repris pour une poutre de Bernoulli, j'ai repris la quantité d'énergie qui correspond à la déformation de la poutre en flexion. L'intégrale de 0 à L, EI V seconde au carré. Et ensuite à ça, je dois retirer moins donc, le travail des forces extérieures. Et le travail des forces extérieures, c'est delta P, lambda P fois le déplacement vertical du point. Et le déplacement vertical du point, c'est la démonstration qu'on vient de faire, c'est 1/2 l'intégrale de 0 à L, V prime au carré, de x dx. Alors ce que nous on voudrait exprimer, c'est que la dérivée de h par rapport à u, alors attention par rapport à v, attention dans les notations, je vais écrire la dérivée, c'est peut-être quelque chose qui est un peu atypique pour vous, c'est la dérivée de h par rapport à v de x. Donc c'est-à-dire que quelle que soit la configuration déformée que je choisisse, qu'elle soit comme ça, qu'elle soit comme ça, qu'elle soit comme ceci ou qu'elle soit comme ça, pour autant qu'elle satisfasse les conditions limites, mais je voudrais qu'elle soit égale à 0, parce que je sais bien que la configuration d'équilibre correspondra à un potentiel minimum, et donc dans un espace de dimension infinie, c'est comme si j'avais une infinité de paramètres, si vous voulez,
je voudrais pouvoir minimiser l'énergie potentielle totale. Alors, je regarde un petit peu plus loin. Voilà, tout ça est exprimé dans la dia suivante. Je vais refaire le détail ici. On regardera la dia suivante comme résumé. Donc, comment est-ce qu'on fait pour exprimer une dérivée par rapport à une fonction? C'est compliqué, on ne peut pas le faire. En fait, on voit simplement v de x comme une collection. V de x, c'est une collection de v de xi avec les xi qui forment le continuum d'abscisse qui vont de 0 à L. Donc en fait, on a une poutre comme ceci qui va de 0 à L au niveau de x, et on a une collection de valeurs ici qui sont les v de x. Et toutes ces valeurs-là, on suppose qu'elles sont éventuellement variables, que ce sont des variables. C'est comme ça qu'on les collectionne et qu'on les met dans une fonction v de x, qui à chaque x associe une valeur de v, et on va dériver par rapport à chacun de ces paramètres. Alors ça, évidemment, on ne peut pas écrire une dérivée par rapport à un nombre infini de paramètres. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va simplement dire que... on va revenir à la notion de base d'une dérivée. Si par exemple, on avait la fonction h de phi, hein, c'est un tout bon exemple, en fait, j'aurais pu le montrer un petit peu plus haut. Si on avait un potentiel qui ressemble à ceci, le minimum qui nous intéresse, il est là-bas. Et en fait, si je veux écrire la condition h' de phi égale 0, c'est comme écrire h plus dh, le dh étant calculé quand je perturbe légèrement la valeur de phi, d'accord? Donc dh, h plus dh, c'est h de phi plus dphi. Est égale à la même valeur, okay, elle ne change pas, ce qui revient à dire en fait que dh est égal à 0. Okay, c'est une version infinitésimale, si vous voulez, de traduire l'équilibre et la dérivée de h par rapport à phi qui est égale à 0. Ceci, c'est une parenthèse. Alors, comment est-ce qu'on va faire dans le cas continu, avec un nombre infini de degrés de liberté? Ben, on va faire la même chose. On va simplement dire que si je remplace dans h de v, donc h qui est calculé pour une certaine déformation, je dis simplement que si je change v en v plus quelque chose qui est très petit, d'accord, donc je vais voir son voisin, donc je lui ajoute une petite perturbation, je vais simplement dire que ça va nous donner un delta h, donc c'est égal à h de v de x plus un dh, qui va dépendre de l'amplitude de la perturbation qu'on est en train de mettre et de la forme de la perturbation. Mais je vais simplement dire que le dh qui est là-bas, il est égal à 0. Et ça, je voudrais que ce soit vrai, quelle que soit la valeur de la perturbation que j'ajoute, tant qu'elle satisfait les conditions limites. Cinématiquement admissible. Ok, bon, alors on peut essayer de l'écrire, hein. c'est pas très compliqué, on peut le faire sur base d'un exemple. Donc si je calcule, au lieu de calculer h de v comme dans l'expression là au-dessus, si je calcule h de v plus epsilon eta, je laisse tomber les x pour alléger un petit peu la notation. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir ceci, 1 demi, l'intégrale de 0 à L. Le v seconde, au lieu d'avoir v seconde, je dois le remplacer par v seconde plus epsilon eta seconde au carré. Moins lambda p sur 2 v prime plus epsilon eta prime au carré dx. Alors si on développe, on va avoir 1 demi l'intégrale de EI v seconde au carré dx moins lambda p v' au carré dx, plus, alors il y a un double produit, donc il y a un 2 qui va se simplifier avec le 1 demi, l'intégrale de 0 à L, EI, v seconde,
Eta seconde fois epsilon moins de nouveau un demi qui va se séparer, se simplifier lambda p v prime eta prime epsilon dx plus des termes d'ordre epsilon carré que je vais négliger parce qu'on dit que epsilon est petit. Ça c'est quoi? C'est rien d'autre que h de v, c'est la définition qu'on avait tout à l'heure, c'est l'expression qui est en grand là au milieu. Et donc qu'est-ce qui nous reste? Mis à part les termes d'ordre epsilon carré, c'est celle des h de v. Et donc moi ce que je veux dire simplement, c'est que ce dh il est égal à 0, quelle que soit la valeur de eta. Et donc on a l'intégrale. Je vais arrêter d'écrire les bornes de nouveau pour alléger un tout petit peu. C'est intégré évidemment de 0 à L. Eta seconde fois epsilon moins lambda p v prime eta prime dx. Quelle que soit la valeur de eta. Ce que je vais faire ici, c'est intégrer par partie ce terme-là. Je vais l'intégrer par partie et je vais reporter une dérivée sur le V, je vais le reporter sur le eta. Alors, donc ça va nous donner quoi? Le epsilon, on est d'accord, je peux le simplifier parce qu'il multiplie tout et qu'il est de toute façon non nul. Ça va nous donner donc une intégrale de 0 à L, EI V seconde, eta seconde. Donc en fait, l'intégrale, je peux l'écrire ici, donc la primitive de v prime eta prime, je vais dire que c'est v eta seconde, et donc là, je vais mettre v eta prime. Ok, on est d'accord avec ça, donc je primitive une fois, donc c'est v eta prime à faire varier, moins v eta seconde. Donc, vu que ça vient avec un signe moins pour nous, mais je vais avoir plus lambda p, donc là je reste dans l'intégrale pour le moment, donc plus lambda p fois v fois eta seconde dx, et moins lambda p, V est à seconde à faire varier entre 0 et L. Voilà, ça c'est égal à 0. Alors la variation, on peut la regarder, c'est quelque chose que vous devriez normalement déjà connaître de vos cours de méthode numérique. On écrit une version qui est une forme faible de l'équation d'équilibre. Les deux conditions limites chez nous sont que V de 0 égale 0, et V de L égale à 0. Donc ce terme-là tombe complètement. Et donc, qu'est-ce qu'on va récupérer? On a que le résultat de cette intégrale doit être égal à 0, quelle que soit la fonction eta qu'on imagine. Donc si c'est valable pour une infinité de fonctions eta, les conditions limites, qui satisfait les conditions limites, mais la seule possibilité d'y arriver, mais c'est que ce qui se trouve devant dans les parenthèses soit égal à 0. Et donc en utilisant le principe énergétique, on vient de redémontrer, ok, je suis d'accord, c'était peut-être un tout petit peu plus long, vous allez voir que plus tard on n'écrira plus les équations d'équilibre, hein, c'est pour ça que l'approche énergétique sera intéressante. On vient de redémontrer exactement la même équation d'équilibre que celle qu'on avait déjà avant. D'accord ? Donc pour utiliser ou pour écrire les équations d'équilibre, je viens de vous montrer sur base de cet exemple qu'on peut partir d'un concept énergétique. Ok ? On le savait déjà bien dans un cours d'analyse et structure 1, mais ici on vient de refaire la démonstration complète parce qu'on va exploiter beaucoup plus les concepts énergétiques plus tard. D'accord ? Donc quand on veut repartir de l'équation d'équilibre
pour un principe énergétique, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement donc écrire le potentiel qui dépend de V et de X pour les structures continues avec un nombre infini de degrés de liberté, c'est ce que ça veut dire, si vous voulez. Et on dit simplement que toutes les perturbations état qui satisfont les conditions limites, c'est important, doivent être telles que la dérivée par rapport à epsilon de cette variation doit être égale à zéro. Ok, et on a repris l'exemple qui était celui de la poutre. Ok, donc avec ceci, je viens d'expliquer comment, sur base d'équations d'équilibre, sur base de concepts énergétiques, on était capable de récupérer les équations d'équilibre. Voilà, alors, j'ai une petite discussion. Une petite discussion supplémentaire ou un exercice. Allez, d'abord un petit résumé rapide avant l'exercice. Donc on a deux options différentes pour déterminer, pour dériver les équations qui vont gouverner en fait, la déformée d'une structure. Soit une approche locale ou une approche globale, soit une méthode qui est basée sur la conservation d'énergie. L'approche locale et globale, elle va nous donner une équation qui gouverne le problème, qui traduit l'équilibre du corps directement. Pourquoi ? Parce que les équations que vous écrivez sont des équations d'équilibre, donc elles ont les unités de force et de moment, et traduisent l'équilibre du corps. On a deux possibilités. Soit on va obtenir une équation aux dérivées partielles, ODE, Ordinary Differential Equation, dans le cas d'un système continu, avec un nombre infini de degrés de liberté, soit un ensemble d'équations algébriques, ou des équations qui ne font pas intervenir des dérivées. D'accord ? Donc les exemples qu'on a eus, c'était EI dérivée seconde plus lambda P fois V égale 0. Et le deuxième exemple, c'était KL moins lambda PL phi, sinus phi égale 0. Donc dans le premier cas, on a une équation différentielle. Et dans le deuxième cas, KL phi moins lambda PL sinus phi, on a une équation qui n'est pas une équation dérivée. Donc on appelle ça une équation plutôt algébrique. Alors, deuxième option. Ici je dis c'est une ou des équations algébriques. Pourquoi est-ce que j'ai une équation algébrique? Parce que j'ai un système à 1 degré de liberté. On va voir dans l'exercice que vous allez faire tout de suite après. Là, on a une structure à 2 degrés de liberté. Et dans ce cas-là, vous allez avoir deux équations qui sont deux équations algébriques. Il faudra écrire deux équations d'équilibre. Et en fait, donc là, vous comprenez, si vous n'avez pas encore l'occasion de le comprendre dans le cadre de vos cours d'analyse, qu'une équation, une équation différentielle, en fait, c'est une généralisation de ces équations algébriques, si vous voulez, avec un nombre infini de degrés de liberté. Mais c'est pas spécialement évident, donc je passe les détails. Alors, l'autre option, ce serait de partir par un principe de conservation d'énergie. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a? On va écrire une équation de base qui est une équation qui traduit la conservation de l'énergie. H égale U plus V égale constante, si vous voulez, hein, ou bien le fait qu'on dérive H par rapport à un paramètre et qu'on dise que c'est égal à zéro traduit en fait la conservation de l'énergie, ou la stationnarité en fait de l'énergie, c'est ça qui compte. L'équation d'équilibre peut être récupérée, mais ouais, c'est ça, mais en fait, si vraiment c'était ça qu'on voulait faire, bah, on l'écrirait tout de suite, et donc on utiliserait la méthode 1 ou la méthode 2. En revanche, par contre, ce qu'on va faire, c'est partir directement de l'équation de conservation d'énergie et déterminer la configuration d'équilibre qui correspond à la configuration d'équilibre, donc au potentiel qui nous intéresse. D'accord ? Sans avoir à écrire l'équation constitutive, qui sont ces deux équations-là. En réalité, ce qui va se passer, c'est que vous allez le voir dans la suite du cours, ces deux équations, on n'a plus envie de les voir. Elle nous dit simplement V égale 0 ou phi égale 0 sont des solutions triviales. Nous, ce qu'on voudrait savoir, si ces solutions sont des solutions qui sont stables, oui ou non. D'accord ? Et on n'a pas envie de s'encombrer avec l'écriture de l'équation différentielle, sachant que de toute manière, elle sera homogène et qu'elle aura une solution triviale qui sera V égale 0 ou phi égale 0. On voudrait juste savoir si cette solution est stable, oui ou non. Et donc, vu que dans le cadre de structures beaucoup plus compliquées, on va plus s'encombrer avec l'écriture des équations d'équilibre, on va résoudre ce problème-là par le principe de conservation d'énergie. Il y a un petit nota bene qui est sympa aussi, c'est que c'est beaucoup plus facile d'utiliser la relation ou de modéliser la relation non linéaire qu'il peut y avoir entre les forces et la réponse. Je ne l'ai pas illustré, mais si on avait voulu... je l'ai illustré en réalité, par exemple dans le cadre de la...
du système à 1 degré de liberté qui est repris ici au-dessus, voilà, vous avez vu que la non-linéarité, je l'ai gérée sans problème, puisqu'on a le système qui est déjà non-linéaire avec le sinus phi. Et je n'ai pas encore eu à la linéariser. Ok, bon, voilà, sur base de ce petit résumé, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est d'utiliser peut-être 15 minutes. Donc faites une petite pause si vous voulez, revisitez les dias si c'est nécessaire et si vous n'avez pas encore tout compris correctement. Mais sinon, prenez, je dirais, 15-20 minutes pour essayer de résoudre ce problème-là. Et ce problème-là, c'est quoi ? C'est un problème qui n'est pas beaucoup plus compliqué que celui qu'on a vu avec un DDL. Il a juste 2 degrés de liberté. Pourquoi est-ce qu'il a 2 degrés de liberté ? Bah parce qu'en fait, il est composé de deux barres qui sont infiniment rigides, elles ne se déforment pas. Et à partir du moment où je connais la rotation φ1, qui est la rotation ici en dessous, et où je connais φ2, qui est la rotation additionnelle de la partie supérieure, je connais la configuration déformée. Donc je suis capable de calculer le déplacement de n'importe quel point de cette structure. Ok, donc ceux-ci vont dépendre de, si je regarde une hauteur x, une hauteur x ici, what's going on? Ou une hauteur L au-dessus de la base, ben, la rotation, on peut éventuellement linéariser, donc on peut supposer que la rotation donc, sera donnée par phi x1. Donc le déplacement sera donné par phi x1. Le déplacement transversal de ce point-là, ben, ce sera phi 1 fois L. Et puis après, ben, donc, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir tous les déplacements additionnels là-bas qui viennent s'ajouter au phi 1 fois L et qui, eux, sont donnés par, si maintenant on a une distance y là au-dessus, ce déplacement-là, en plus donc de phi 1 fois L qui est le même là-bas, mais le déplacement dont on parle ici, c'est phi 1 plus phi 2 fois y. Ok, sur base de ça, je pense que j'ai tout dit. Je vous demande deux choses. Établir les équations d'équilibre pour cette structure à 2 degrés de liberté et faites-le de deux manières différentes, une fois par équilibre global et une fois à l'aide de la formulation énergétique. Ok, je vous laisse faire une petite pause dans la vidéo. La solution suit, mais évidemment, faites l'exercice par vous-même parce que c'est un tout bon exercice. Voilà, alors on va commencer par l'équilibre global. Les équations d'équilibre, elles vont nous dire simplement qu'il y a deux ressorts dans la structure et on va utiliser leurs équations constitutives pour écrire l'équilibre. Donc si je regarde le ressort du bas, je vais avoir que K fois φ1, c'est égal à M1, le moment au niveau de l'encastrement, qui est le moment dans le ressort du bas, K fois φ est égal ben, lambda P est tout en haut, donc c'est simplement le moment qui est généré par cette force tout en haut et qui est excentrée. Elle est excentrée de combien ? Ben, je viens de vous dire que c'était φ1 fois L plus φ1 plus φ2 fois Y, mais le Y est égal à L si je veux regarder le lambda P. Et donc on va avoir la première équation qui ressemble à ceci. On peut peut-être les simplifier ou regrouper les φ ensemble. Donc ça va nous donner qu'un... je vais juste les regrouper ensemble aux membres de droite, hein, ce sera plus facile, égal lambda P fois L fois 2 φ1 plus φ2. Alors si j'écris maintenant le moment au niveau du deuxième ressort, ben donc, il est de raideur K, donc j'écris K, c'est K fois sa rotation relative. Alors quelle est la rotation relative du deuxième ressort ? Ben, on voit que si je prolonge la barre inférieure ici, j'arrive comme ceci, si je prolonge la barre inférieure, et là j'ai utilisé φ2, cette notation-là, présente en fait la rotation additionnelle. Donc en fait, c'est rien d'autre qu'aussi la rotation relative. D'accord ? Donc la rotation relative au niveau du deuxième ressort, elle est égale à φ2. Donc c'est K fois φ2.
Et le moment à cet endroit-là, il vaut quoi? Ben, le moment à cet endroit-là, il vaut lambda p, la force, multipliée par son excentricité. D'accord? Je regarde juste le moment à cet endroit-ci. Ça, c'est m1. Ça, c'est m2. Donc, k fois phi 2 est égal à ben, le déplacement qu'on a là-bas. C'est phi 1 plus phi 2 fois l fois lambda p. That's it. On pourrait réécrire ça différemment. On pourrait donc réécrire, si on voulait, cette équation-là sous une forme peut-être plus matricielle. Simplement pour se préparer à ce qui va suivre. Donc là, au membre de gauche, j'écris la première équation. Vous voyez, k fois phi 1. K fois phi 1. Je vais ramener tout ceci au membre de gauche aussi. Donc je vais avoir moins lambda PL 2 phi 1 et 1 phi 2. Et pour la deuxième équation, je vais avoir 0 phi 1 plus K phi 2 moins lambda PL phi 1 phi 2 égale 0. Et avec ça, on a un système de deux équations, deux inconnues. Évidemment, il y a une solution qui est la solution triviale, qui est la solution qui va nous intéresser. Mais on discutera après de l'existence et de la stabilité des solutions. Ça, c'est pour la méthode par équilibre. Alors maintenant, vous allez voir qu'on va utiliser la méthode énergétique. Elle est assez simple, me semble-t-il. Comment est-ce que ça fonctionne? Ben, on doit dire simplement H égale à U plus V. U, c'est le travail de déformation dans la structure. Donc, quelle est la rotation relative dans le ressort inférieur? Ben, c'est phi 1. Donc, 1 demi k phi 1 carré. Quelle est la rotation relative dans le ressort du dessus? Ben, on vient de le voir, c'est phi 2, donc 1 demi k phi 2 carré. Et là-dessus, je dois retirer le travail de la force extérieure, donc lambda p, fois le déplacement vertical du point tout en haut. Alors, le déplacement vertical du point tout en haut, on peut le calculer. Je vais refaire un petit croquis ici. On peut calculer peut-être d'abord le déplacement vertical de ce point-là, qui tourne avec une quantité phi 1. C'est exactement la même chose que ce qu'on a fait précédemment. Hein. On avait le déplacement vertical delta 1 est égal à L, la longueur de la barre, fois 1 moins le cos de phi 1. On va supposer que les phi sont petits, donc je vais faire un petit développement polynomial. Vous vous souvenez que le cos de phi 1, si phi 1 est petit, mais en réalité c'est 1 moins phi 1 carré sur 2 plus des termes d'ordre phi 4. Plus des termes d'ordre phi 4. Et donc ça va nous donner en réalité que delta 1 est égal à L fois phi 1 carré sur 2 plus des termes d'ordre phi 4. Qu'on va laisser tomber bien sûr. Et le déplacement additionnel de la deuxième partie, delta 2, c'est un déplacement supplémentaire qui vient du fait que la deuxième partie de la colonne tourne aussi et contribue au tassement vertical du point d'application de la charge, eh bien ce serait évidemment la même chose, mais en remplaçant phi 1 par phi 1 plus phi 2, parce que la rotation ici vaut phi 1 plus phi 2. Donc cette barre qui initialement était en configuration verticale se trouve maintenant affectée par une rotation dont l'amplitude vaut phi 1 plus phi 2. D'accord ? Donc le tassement vertical du point, donc moins lambda p fois L, fois donc phi 1 carré sur 2 pour la partie inférieure, plus phi 1 plus phi 2 au carré sur 2 pour la partie supérieure. Ça, c'est notre équation qui traduit l'énergie potentielle totale, ou bien, si vous voulez, la conservation d'énergie. En la dérivant, on obtiendra 0, ou bien en exprimant la stationnarité
de l'énergie potentielle totale dans le voisinage d'une configuration d'équilibre, on obtient les équations d'équilibre. Donc je n'ai plus qu'à dériver maintenant H par rapport à phi 1 et par rapport à phi 2, de manière à obtenir deux équations d'équilibre. Si je dérive d'abord par rapport à phi 1, le premier terme nous donne 1 demi, va simplifier avec le carré là-bas. Donc on a qu'un fois phi 1. Le deuxième terme ne donne rien du tout parce qu'il n'y a pas de phi 1 là-dedans. Moins lambda pl multiplié par phi 1 carré sur 2. Ben ça va faire phi 1 tout simplement. Et le deuxième terme va nous donner phi 1 plus phi 2. Vous voyez que c'est excessivement rapide et c'est excessivement simple. K fois phi 2 moins... Je dérive maintenant par rapport à phi 2, il va me rester uniquement le deuxième terme. Voilà. Et on retrouve naturellement les mêmes équations que les équations qu'on avait écrites tout à l'heure. C'est QFD. On va encadrer ceci. Ok, avant d'aller plus loin, je termine rapidement avec ceci, et puis une petite pause s'impose, qui nous présente la notion de stabilité de l'équilibre, ou plutôt de divergence de l'équilibre. Donc on va regarder maintenant des configurations d'équilibre d'une structure, mais dans laquelle on aurait mis une petite perturbation initiale. Et donc on n'aura plus une instabilité par bifurcation, mais une instabilité par divergence. Exemple, si on perturbait légèrement le problème de la colonne de l'air, on aurait une équation différentielle qui s'écrit maintenant EI dérivé seconde plus lambda P fois V est égal à epsilon, epsilon étant un petit moment additionnel ajouté. Donc ça correspond à un problème qui ressemble à ça. Donc là on est bloqué, là on a l'appui à rouleau, ici on a la charge lambda P, et puis vous voyez que je suis en train d'écrire une équation d'équilibre, et donc ça revient à avoir un moment constant supplémentaire epsilon appliqué sur l'entièreté de la poutre. On a une équation différentielle d'ordre 2 à coefficient constant qui est non homogène. Okay, c'est lui qui va faire la différence, elle est non homogène. Et donc pour résoudre ce problème-là sur le plan mathématique, on écrit la même solution que la solution homogène, mais avec des coefficients A et B qui ne sont pas encore déterminés, on ajoute une solution particulière au problème, et puis seulement on détermine les valeurs des deux coefficients A et B. Si on fait ça, la solution à laquelle on arrive, elle est représentée ici. Elle est un peu plus compliquée que les A sinus K pi x sur L qu'on avait développées précédemment, et elle ressemble en fait à ces expressions-là. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut regarder à quoi ressemble cette équation-là, ou le résultat en tout cas de cette équation-là, en disant par exemple, ah, je vais regarder le déplacement à mi-travée. Donc quelle est la valeur de V en L demi, si on remplace là-dedans le V par L demi, en fonction de kappa, kappa étant une version adimensionnelle du multiplicateur. D'accord, donc le kappa qui rentre ici affecte en même temps la longueur d'onde du problème. Je ne rentre pas trop dans les détails parce que je n'ai pas envie de m'apesantir trop sur la divergence. Ce n'est pas le but du cours ici. Enfin, soit, mais on calcule donc une expression analytique pour le V de L demi et on récupère explicitement et analytiquement les courbes dont je vous ai parlé au niveau de l'introduction. Notre objectif à nous n'est pas de calculer ces expressions-là. Ce que nous, on veut simplement déterminer, c'est vérifier qu'on a bien une solution qui est une solution dans la configuration optimale qui reste là-bas et qui nous donne des branches d'équilibre neutre. Ce qui est important de regarder ici, c'est que bifurcation, les valeurs qui correspondent aux asymptotes horizontales dans la méthode par bifurcation et par divergence correspondent exactement au même palier. Okay, et mathématiquement, pourquoi? Parce que l'origine du palier vient de la forme particulière de la solution de l'équation homogène. À partir du moment où la solution du problème par divergence correspond à la solution homogène
plus une solution particulière. La solution particulière, je ne l'ai pas dit, mais elle est bidon, évidemment, hein, elle est représentée là-bas. C'est epsilon sur lambda p. Ça, c'est la solution particulière. Pourquoi? Parce que quand je le dérive deux fois, ça fait 0. Et que quand je le remplace là-dedans, ça fait bel et bien epsilon. Donc ça, c'est la solution particulière. Elle n'a rien de fancy, la solution particulière. Elle est juste constante. D'accord? Donc toutes les spécificités du problème, elles viennent de la solution homogène. D'accord? Notamment l'existence de la solution critique, qui vient de la solution homogène. Ben, évidemment, on va la retrouver dans la solution du problème avec la divergence. Okay? Donc que vous fassiez un calcul avec une toute petite déformation initiale ou sans petite déformation initiale, vous allez avoir exactement les mêmes charges critiques. Exactement, ça ne peut pas changer. À condition d'avoir le problème linéarisé, évidemment. Donc il va se passer des choses différentes. Si on décide de ne plus linéariser et qu'on regarde des grands déplacements, là, on a vu d'autres exemples où on pouvait, par exemple, avoir un regain de stabilité ou ce genre de choses. D'accord ? Mais ça, c'est un autre problème. Ok, bon, ouais, tout ceci est simplement là pour vous expliquer qu'on a... on a des états critiques qui sont tout à fait similaires. Voilà. Et on a la même chose pour, la colonne encastrée libre avec le ressort en base. Et différents niveaux de sollicitation. Je passe ce détail-là. Je crois que ce n'est pas très, très important. Je voudrais qu'on se focalise plutôt sur la stabilité et la notion de stabilité critique. Voilà. Je fais une petite pause. Et... notre prochaine mission donc, sera maintenant d'établir et d'étudier la stabilité de nos